Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Total War Rome Remastered. On va démarrer ce soir une nouvelle campagne avec la faction des Parthes ou la Parcie comme vous préférez. Donc on est parti, donc on aura trois provinces de base, ça je le sais parce que j'ai déjà vu un peu la carte il y a très longtemps. Nous allons devoir tenir 15 provinces et survivre ou détruire les factions suivantes, les Séleucides et l'Arménie. Ce sont nos cibles prioritaires. Donc on a deux territoires ici à la frontière entre les Séleucides et les Arméniens, donc on pourrait déjà commencer à taper nos cibles. On a une autre province là-bas, dans le nord, c'est un camp, donc on pourrait peut-être envers les sites, hein. Ça pourrait être une option assez intéressante. Après on verra quoi. Donc les Parthes ou la Partie. Les Parthes sont un peuple nommable appartenant à la confédération d'Ae. Qui s'est installé près de la mer Caspienne après avoir conquis la zone au 4e siècle avant Jésus-Christ. Plus d'une fois, les Séleucides sont autoproclamés maîtres de l'Empire Parthe, et plus d'une fois, ils ont effectivement eu l'influence nécessaire pour appuyer leur dire. Il n'est donc guère étonnant que les rois Parthes n'apprécient pas l'Empire Séleucide. Les Parthes ont le potentiel pour devenir une grande puissance, voire un grand empire. Leur territoire est traversé par des grandes routes marchandes reliant l'Orient à la Méditerranée, la route de la soie, ce genre de choses. Les richesses du monde passant par leurs terres représentent une telle fortune qu'elles pourraient financer une armée à la fois une armée à la mesure du plus ambitieux des rois. Et cette fortune est là, à portée de main de celui qui voudra s'en saisir. Au nord, ce sont les steppes peuplées de féroces tribus barbares qu'il convient de surveiller en permanence. À l'ouest, l'Empire Séleucide et les terres des successeurs d'Alexandre le Grand. Au-delà, Rome dont le pouvoir va croissant et les marchands de Carthage pour l'instant. Il serait peut-être judicieux de faire cause commune avec eux. Une alliance avec Carthage, ça pourrait être un plan, effectivement. Donc on est parti pour cette campagne courte. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Le désert est mon foyer. Notre foyer. Les envahisseurs qui entrent dans le désert n'en ressortent jamais. Ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il est source de vie ou de mort. Alors ils meurent. Et nous devenons plus forts. Et les morts, c'est bien connu, ne transmettent pas leur sagesse aux vivants. C'est pourquoi d'autres envahisseurs prennent le relais et tentent, comme les autres, de prendre nos terres et nos richesses. Comment ne pas les comprendre? Ces terres regorgent de richesses. Voilà bien la seule faiblesse de mon peuple, l'or. Plus dur que l'eau fraîche, plus puissant que l'acier d'une épée. Car quelle épée résisterait à une pièce d'or? L'or peut acheter la loyauté d'un millier de guerriers. Un millier de guerriers. Un bon début pour bâtir un empire. Elle est plutôt pas mal cette cinématique d'intro, j'aime bien. C'était à peu près la même avec le pont de tête. Franchement, le contexte et tout, la narration et tout ça. Ok, donc on commence, alors on a trois colonies. Alors il y a une ville rebelle dans le coin. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Donc on a notre général, notre chef de faction Arsarsès. On a quoi? On a un espion. Alors je sais que c'est le site utile, logiquement il doit être quelque part par ici. Ouais. Et en plus il y a les jardins de Babylone, donc ça pourrait être une cible intéressante d'entrée de jeu. La question est de savoir est-ce que je pourrais recruter des unités de Mercos à cheval ou pas du tout. Non, pas pour le moment. Je vais me mettre en route déjà. Là avec Arsarsès, on va se mettre en route alors par là. Ah bon, on a localisé la première ville en Atropatène de Fraspa, ça pourrait être une cible intéressante d'entrée de jeu. Alors on va regarder un petit peu, on a aussi notre armée au nord là-bas, et on a une flotte. Le campus Sakae, donc c'est notre capitale, mais bon, à terme je pense qu'on va la bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Oh, des archers montés d'entrée de jeu, ça peut être pas mal, hein. Donc on va recruter quelques unités d'archers montés en renfort.
Déjà. Ah, on commence déjà dans le déficit, ça commence bien. Donc là, je pourrais pas faire de trucs. Là, je pourrais peut-être monter les impôts. Et je vais faire un mur à Arsakia. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un hôtel de Zoroastre, c'est la religion. Salut Andrew, bah, bienvenue à toi, ça va, ça va. On a terminé la campagne avec la chute, enfin la chute du Trident. La conte du dragon, donc hier j'ai dû finir le scénario aujourd'hui. Le dernier était un peu chiant parce que bah, il y avait eu un bug que j'ai pas aimé. En fait j'avais perdu la porte des titans pour terminer la fin de campagne, mais tu verras le replay au pire. Et voilà. Donc là je suis en train de commencer la campagne avec les Parthes, qui est pas simple du tout, hein. Donc moi je vais essayer de surveiller un petit peu. Mon but là ça va être d'envahir les Cytocies, l'Arménie et les Séleucides. Tout le monde va en prendre pour son grade. Voilà. Donc là on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pas. Alors de mémoire, les villes arméniennes, il y en a une ici. Et je crois une quelque part par là près de la mer Caspienne. Donc on voit les diplomates. On a de la soie par ici. Et là, on a déjà notre armée qui est prête pour attaquer nos adversaires. Alors, on peut déjà former des archers à cheval. On va commencer à les préparer. Bon, bonne nouvelle. On a localisé les sites. Oh, mercenaires sites. On va plus avoir beaucoup d'argent si je fais ça. Non, effectivement, pas. Salut Moman, comment tu vas? Ah, dans le désert, ça va. Non, les parts, c'est une des factions qui est considérée comme très difficile dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh, on a des archers, ok. On a une ou deux infanteries orientales, d'accord. Alors, je vais juste vérifier un truc. Les gardes du corps partent. Est-ce que c'est comme le pont? Ouais, c'est comme le pont dans l'idée, d'accord. Surtout si tu veux engager une campagne courte. Ah oui, l'Égypte, elle est très rapide. Mais depuis quelques temps, ça s'est calmé, j'ai l'impression. Eh, vous avez vu? Alors, un truc que je viens de remarquer dans le remaster, mais regardez ça. Ils ont changé l'icône de conseiller selon la culture. Avant, il me semble que c'était. On voit, si je dis pas de bêtises, alors corrigez-moi si je me trompe. Mais il me semble que c'était pas présent dans la version de base, ça. Donc là on est bien, on est parti. On a notre héritier qui est ici. Ouh, une armée rebelle. Ah, toute l'armée est partie, vraiment. J'ai embarqué un lancier. Et nous on va se mettre en route. En plus c'est cool, ils ont laissé leur héritier tout seul, hein. Bonjour, bonjour le niveau. Tu l'avais pas remarqué, et oui, n'était pas dans la version originale. Ouais, je me disais bien, j'ai pas rêvé. On a localisé une armée arménienne, attention. Et ici, déjà avec notre chef de faction, on va attaquer cette cité pour s'en emparer. Moment, s'il te plaît, tu peux autoriser le truc de Tonton. Alors je pense que mon truc est un petit peu trop élevé sur la sensibilité, il faudra que je corrige ça. Bienvenue à toi Tom, hein, je vois ton message. Et je sens que je vais m'éclater un petit peu avec les peurs, parce que si c'est une faction avec archer monté et tout, ça peut être redoutable. Ouais. Ah, génial, j'aime bien la masse là. Allez. Alors ça, c'est de l'infanterie orientale. Allez, on va provoquer nos adversaires. Et ces idiots, ils laissent leur capitaine tout seul, hein.
Allez, venez mes petits, 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 petits. Ah, alors, bah pour le moment, ça vient juste de démarrer, dans, mon cher Tom Tom. On est juste en train de commencer à faire nos premières conquêtes. On a déclaré la guerre tout de suite aux Séleucides pour récupérer Séleucie et les Jardins de Babylone. Oh. Quand je suis étonné que l'IA n'a pas encore bougé ses tireurs. Hein. Je pense que je vais renommer Séleucie en Babylone, juste pour le principe. Qu'est-ce que vous en dites, les amis, c'est une fois qu'on l'aura prise. Allez, faut pas qu'ils reviennent, eux. Parfait. Oh. Voilà. Plus d'archers là. C'est fait. Maintenant, on va s'attaquer. On va s'attaquer à leur dernière infanterie qui garde la place. Abattez-les tous. On recule. Les catafrans qui font de la figuration, hein, je les garde au moment opportun. Qu'est-ce qu'ils sont classe. L'heure est venue de faire renaître Babylone. Ils ont perdu la moitié de leurs troupes, quasiment. Bon là évidemment, hop. Bon bah c'est terminé, je vais l'arrêter là, la bataille, tout simplement pour économiser nos hommes. Bon, j'ai eu deux pertes au TK. Voilà. Bon, je veux pas les exterminer, y'a rien. Faudrait vraiment être stupide. J'ai essayé de faire une maison du gouverneur pour gagner un peu d'argent. Bon, l'économie, on le voit, hein, c'est pas ça. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'on mettra à sac la Séleucie du Tibre. Là, ça devrait commencer à parler. Ah, j'ai pas fait rentrer mon espion, tiens. C'est con, ça. J'ai quand même l'envoyé vers le nord. Alors, on a une armée ici, effectivement. Bon, c'est l'armée qui était là en garnison. Donc Babylonie, c'est Lucie. Hein. Ok. Je peux pas faire de murs, si. On va faire des murs parce qu'il y a une armée d'Arméniens qui se pointe. Oh, un autre général, ça me fait plus kiffer. Par contre, je perds énormément de sous. Des brigands, on s'en fout. Campus Alain. Ils ont quoi? Ils ont deux archers montés. Deux archers. Là, il y a un chef de garnison en réserve en plus. Ouais, ça va être costaud, d'accord. Donc là, il y a. Ah, le chef Artaxarta des Arméniens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Il vient me proposer du commerce. Salutations. Tu devrais installer ton micro. Bah, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, Tom Tom. Hein. J'aimerais bien, mais là, ça peut être possible. Au revoir. Eh ben, notre chef il vient juste d'arriver, il meurt. Ah bah bravo. Donc là on a plus beaucoup de sous. Hein. On va passer à l'attaque. Sur la Séleucie du Tibre. En te voyant jouer du part, ça serait bien que ça fasse un jour à toute heure saga sur Babylone. Ouais, effectivement, ça pourrait être une idée. Hein. Pourquoi pas un saga? Donc voilà. Un saga, moi je le verrais plus sur un saga, tu vois. Vu la période. Ah, ça c'est mes DVD qui sont tombés, désolé. Ok.
Alors si mon... Ah ok, parce que lui c'est mon héritier je pense maintenant. Vu qu'on a notre premier général est tombé. Après je suis prêt à sacrifier le régiment d'un peu de trucs. Et voilà le problème Tom Tom que tu soulignes, ça c'est déjà que la communauté tout à l'heure, c'est pas méchant ce que je veux dire, elle est déjà assez difficile comme ça. Hein. Que ce soit les Isto ou Warhammer. Alors c'est comment il s'appelle le garde du corps? Harry Stark, ok. Et merde, j'ai perdu la moitié d'une de mes unités. Vite reculer. Alors, c'est combien de cailles qui sont tombés? Ils sont 2-3 déjà. Ouais, c'est bien, ça tombe. Mais moi, franchement, ça me ferait kiffer. Hein. Moi, niveau histoire, les seules périodes qui me rebutent un peu à l'heure actuelle, c'est les périodes à armes à feu. Et on va rigoler avec eux. Je vais me mettre là exprès, tout simplement. Il se barre, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, on va rééquilibrer un petit peu la donne pour notre général. Après, moi, perso, s'il y a un truc qui pourrait... Non, 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 mais vous êtes dingue, vous deux. Oula, recule. Ah oui, j'ai embarqué l'infanterie avec, d'accord. J'ai rapproché mon général. Alors, j'ai perdu tous mes archers là à cause de la tour. Ça, c'est une belle négligence. Ouais, garde 30 ans. À voir, écoute. Alors, ce qui te rebute, c'est la transition entre les armes à feu. Bah, je pense aussi, ouais. En fait, là, surtout, il faudrait... Le... Alors... Reculez-vous là. Je vais engager avec mon général. Alors ça donne quoi les flèches là? Oh, ça tombe bien là. Je vais peut-être engager directement au corps à corps et je vais arrêter de dire à mes archers montés de tirer. Eh, hey, je vous ai dit de sortir les mecs, youhou. Ils sont combien encore? Allez, go. Voilà. La victoire est douce, surtout quand elle est aussi indiscutable. Alors. Oui, ça serait intéressant après quelques cas géographiques parce que tu peux faire une entrée, ouais. Ça pourrait être ça, ouais, après. J'ai aucun problème avec les armes à feu. Après, il faut que le moteur il fasse en sorte qu'il soit adapté. Hey, tu sais quoi, let's go, hein. Mesdames et messieurs, nous avons récupéré les jardins suspendus de Babylone en Séleucie. Mais. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose ici? On va faire une écurie. Par contre, Séleucie. On va attendre avant de on va la laisser Babylone, mais on va attendre avant d'en refaire notre capitale. Parce qu'évidemment, ça sera le but que ça devienne notre capitale, d'un point de vue un peu RP. Oh, ils ont envoyé des paysans là-dedans, sans déconner. Et là, on va recruter des lanciers pour nous aider en défense. Oui, même si la période est intéressante, j'ai peur d'équilibre entre les armes à feu. Ouais, ça, c'est ça le problème. Sur Medieval 2, l'équilibrage, perso, je trouve ça... Alors ici on peut former un nouvel archer monté ou pas? Ouais. J'ai tellement envie d'anéantir leurs archers. Ils ont battu les rebelles ici, hein, tu me diras. Je vais embarquer l'archer monté avec moi. Et je vais tenter de défoncer les sites à mon tour. On va essayer de s'étendre le plus tôt possible.
Ouais, ça peut être un bon programme aussi, ça, la transition. Bon. Il me semble que les archers partent, on a plus de portée que les archers classiques, si je dis pas de bêtises. Hein. Et voilà, je perds mon général comme un con. Ça c'est con, hein. Là, on va essayer de leur faire un petit étau. Pardon, c'est une blague. Bon, on va la refaire, hein. Ça c'est dégueulasse, alors l'équilibrage, oui, bien sûr. Ah non, je suis pas d'accord là. Hop. Le léopard, rendez-moi mes archers montés. Oh. En vrai, si je déglingue toute leur armée là, je peux tellement me mettre bien pour m'emparer de ce camp là. Et après, je pourrais faire un étau contre les Arméniens, ça serait ça l'idée. Alors, toi, t'as combien de portée? Rappelle-moi, 120. Et eux? Allez, il faut tirer. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression que leur... Bon, ils ont la colline, tu vas me dire, c'est ça? Hop, on va les intimider. Alors tu sais quoi? J'ai une idée. Occulte, ils vont me charger avec mes tireurs, mais moi j'ai mieux. Allez, bien sûr. Ouais, abattez-les tous. Voilà. Par contre, là, ça va être plus chaud. Et les sites, c'est des clients. Hein. Je pensais pas qu'ils avaient autant de portée que mes propres archers. Il me semblait que... Bah, moi, j'avais pas autant de portée sur... quand ils avaient joué contre eux. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que l'armée ne se reformera pas. Je vais mettre tout de suite un bélier en position. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va emmener tout de suite nos archers montés en renfort et un pégu. Je vais faire tout de suite quoi là? Ce serait une erreur de faire des routes parce que tant que on n'a pas récupéré ça. Ici. Il y a cette armée qui est une Mercos qui nous emmerde. Ah, ça y est. Donc là, on pourrait monter sur Atra directement, depuis Babylone. Et je vais laisser un ou deux frondeurs ici. Comme veut l'Arménie. Salutations. Bon, pour le moment, on va leur taxer du pognon, tiens. On va être malin. Allez, je te demande 7500.
Seriez-vous prêt à envisager? Ouais, bien sûr. Allez, 7000. Une proposition parfait. Des plus généreuses. Ça... Ah, on n'est pas assez nombreux. On va reculer. Bon, après, là, ils sont cons. Ils sont cons. Ils vont livrer deux unités encore. Hein. Aux ordres, en marche, en général. Moi, je vais le prendre. Hein. S'ils me livrent leurs unités en pâture comme ça, autant en profiter. Hein. En parlant, j'aimerais attendre la prochaine version, justement. Tom. Ça pourrait être au programme. J'ai déjà des idées de factions. Bon, que j'ai pas faites encore. Bon, ok. On va se mettre en avant. Je sais pas où ils sont, les deux gus là, mais ça m'est. Allez, on y va. On va les choper. Parfait. On les aura pas, mais bon, on va essayer de les cartonner comme ça. La victoire est vôtre et personne ne pourra prétendre qu'elle n'est pas méritée. Hop, parfait. Là, ils vont commencer à se poser des questions, les sites. 30 years of war, voici le mode. Donc dans deux tours, nos renforts seront là et on pourra commencer à taper le campus à l'ennemi. J'aimerais tellement récupérer toutes les steppes et me débarrasser des parts. Par contre là, il faut faire gaffe, ils commencent à masser beaucoup de troupes. Est-ce qu'on développerait pas l'économie un petit peu? Ouais, on a le pognon grâce aux Arméniens, on va en profiter. On a un port, on va le faire ici. On va le faire aussi un port là-bas, comme ça on va générer de l'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas, les amis? Des murs renforcés à Babylone. Voilà. On va faire un templier. On va faire pas mal de bâtiments à Frassa. Hop, c'est pas mal. Je vais peut-être ajouter une infanterie, je vais tenter de me défaire ici. Et on va suivre les conseils. Ah bah tiens, encore une armée de rebelles. Donc, je pense pas qu'on pourra rusher trop comme d'habitude. Bon, on a récupéré déjà deux villes. Enfin, on est sur le point de récupérer une troisième aussi, tu me diras. Allez, go. Le Pégus, c'est juste pour... Pour le principe. Alors, est-ce qu'on peut faire une route là? Ouais, on va faire des routes derrière. On va commencer à moderniser l'infrastructure. Est-ce que je peux les détruire ou pas, ces rebelles? Non, ils sont trop forts encore. T'es sérieux? Défaite de série? C'est une blague? Eh ben le jeu était vraiment... J'ai des arches à monter, mais non, défaite sérieux. Et bon, on va faire d'autres arches à monter là. J'aimerais qu'ils mettent un peu plus d'unités de hobbits pour la post-pit sur l'armée full hobbit. Après, est-ce que ça serait cohérent par rapport à l'esprit du Seigneur des Anneaux, l'armée full hobbit, je sais pas. Donc là, on a combien de provinces déjà? On en a déjà 5. On est à un tiers de notre objectif. Bon, on n'a pas encore détruit de faction. Leurs archers ont autant de portée que les nôtres. Ça, ça va être embêtant. On va faire d'autres archers. On va spammer les archers montés. On va pas s'emmerder. Ah non. Ah non, 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 t'es ma cible, toi. Je vais pas te lâcher, mon pote. J'ai rajouté deux archers montés là en renfort.
là, avec les ports, on va générer plus d'argent. Au prochain tour, ils vont arriver. Allez, venez d'ici de sortie. C'est l'héritier de faction qui s'appelle Partatoua. Il aura une trentaine d'archers montés en prime, mais bon. En vrai, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Alors, on va les laisser sortir. On va essayer de protéger le bélier au mieux. Alors là, on va laisser le général sans mourir tranquillement. Oh, les pégus qui craquent, ça c'est pas bon. On va peut-être envoyer nos renforts. Ce général est un ennemi parfait. Il refuse l'affrontement et prend la fuite. Ouais. Casse-toi, Partatoua. L'ennemi a été tué. Voyons ce qu'il reste de courage dans le cœur de ses soldats. Attention au... Ouais. En vrai, on a de la chance que les... Bon, là, je pense qu'on va juste exterminer. Hein. On fait un carnage, ouais. Voilà. Le campus Alani est notre. Parfait. Donc là on est bien, on possède les steppes et maintenant on peut peut-être tenter de taper. Ouh. Ah oui, vous êtes nombreux là, d'accord. Je sais pas. Oh, ils ont déjà des cataphractes en prime. Ouf. Alors que préparez-vous les Arméniens? Alors on va surveiller un petit peu la diplomatie. Arménie. Évidemment, partenaire commercial avec le Séleucide, bien sûr. Alia, je te jure. On la refera pas, tu me diras. Un temple Zoroastre. Là, on a un temple qu'on va vite éliminer. Bon, ceci dit, on élimine, tu me diras. Hop, des routes en prime. Par ici, on va faire quoi? Des fermes, on va booster notre croissance et nos impôts. On pourrait faire un truc de commerce ici, hein, ça va être utile. Bon, je vais repartir avec tous mes archers montés. Je vais aller déglinguer ces rebelles. Merci. Un peu de cohérence. Là maintenant, est-ce qu'on pousserait pas vers Atra avec cette armée? J'ai envie de vous dire que oui. Je pourrais faire un diplomate ou pas? Ouais, je vais faire un diplomate, je vais essayer de nouer une alliance avec l'Égypte pour taper le Séleucide. Ça peut être un bon plan. Là, je vais faire une tour directe. Par contre, là, va falloir faire remonter leur public. Hein. C'est pas mal du tout. Là, c'est bien. Évidemment, les Arméniens. Bon, ils nous ont filé beaucoup d'argent, tu me diras. C'est qui attaque? Ah oui, ils ont 15 unités.
Là, faut que j'embarque tout le monde, hein. Mais littéralement. Est-ce que je peux faire des mercos? Ouais, ouf, heureusement. Ouais, 2000 balles, hein. Ils ont combien de portées leurs archers montés? 120 et nos frondeurs? Ah, ils ont 80 les frondeurs. Ah ouais. Ils disent que je dois gagner. On va voir. Vous allez voir qu'ils vont dire non. Hein. Victoire serrée, ouais. On les a quand même mis cher. Est-ce que je suis en mode pas une unité? Non, je peux pas. Vous êtes vraiment des petits salopards. Hein. Bon, je veux dire à mes unités de remonter, même mes cataphractes. Et ici, je vais tout reconformer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À votre service. Je suis à vos ordres. Son armée, elle est encore pas mal. Hein. À votre service. Je suis à vos ordres. On va partir à la contre-attaque sur l'Arménie. Non mais c'est une plaisanterie hein, les rebelles là. Défaite franche, bon. Le jeu a décidé que j'allais morfler mais jusqu'au bout avec cette campagne. Bon très bien. Et bon on va s'en occuper nous-mêmes. Mais bon au moins on a vu la... Maintenant on a vu que l'Arménie on pourrait pas lui faire confiance et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, je sais pas ce qu'il a là, ça m'inquiète un peu. Bon, ça, il forme que des hommes des collines. Mais une fois qu'on aura défait son armée principale, l'Arménie devrait tomber facilement, je pense. On aura tout le Caucase, et après on pourra pousser contre les Scythes et les Séleucides depuis le nord. Et si on peut dégager le pont aussi. Il forme beaucoup d'unités par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un... Alors j'aurai un frondeur supplémentaire, ouais. Ah bah vous débattez des bottes, c'est bien, c'est bien. Et là je vais faire la bataille. C'est quoi qu'il a comme général lui? Alors attends, c'est un général général ou c'est autre chose? Ah c'est des archers à cheval en plus. Bon allez, let's go. Allons dégager ces rebelles. On peut le corrompre aussi, mais bon, j'ai pas les sous. Allez, on y va. On va essayer de provoquer nos adversaires. Bon, ça va être vite être torché, je pense. Hein. Je vais faire 3, 2, un groupe là, un autre par là. En plus, on va leur tirer de côté, c'est très bien. Voilà, abattez le général jusqu'au dernier. Parfait. On va les harceler. Allez, le jeu part là, dans toute sa splendeur. Là, ils vont mourir sous une belle pluie de flèches. Vraiment, faudrait peut-être mourir, messieurs, dames. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Et comme ça, moi derrière. Et je vais laisser une infanterie en réserve et après je partirai toute mon armée vers les Arméniens. Ils nous ont trop mis là à l'envers. On va leur rendre la petite politesse.
Et en plus, on pourra peut-être recruter un ou deux mercos sur la route, ce qui est très utile. Par contre, je vais faire une tour. En fait, le début de la campagne, il est considéré comme très difficile. Mais en plus, ça devait être... Ah oui, ça devait être un cauchemar. Même les sites, hein. Les Arméniens, ils ont de bons archers montés aussi. Ça devait pas être de la tarte, hein. Donc là, des factions entre guillemets nomades. C'est ma deuxième campagne que je fais. J'espère arriver jusqu'au bout, d'ailleurs. Donc là, je possède toute la province, logiquement. J'ai l'un de mes généraux. Là, je vais le faire en sorte qu'il se rende utile. Parfait. Comme ça, au moins, on sait où sont les accès. Donc, Atark, ça, c'est là. Et là, c'est Kotaïs. Donc là, je rends juste cet archer monté et on repartira avec toute l'armée. Il est temps d'aller donner une petite leçon aux Arméniens, là. Alors, ici, ça donne quoi? Bon, on a 6 unités. Ça fait une petite armée. Oh, ils ont une grosse armée, là, attention. Tiens, d'ailleurs, ça donne quoi, les Séleucides niveau diplomatie, qu'on rigole? Diplomatie... Non mais... Oh, vous vous foutez de moi. Partenaires commerciaux avec l'Égypte, Séleucide, qui tape toujours d'habitude, et Numidie, bien sûr. Bah bien sûr, le jeu, tu as décidé toujours de la mettre à l'angle, toujours faire tes trucs avec les alliances à la con, bien sûr. Alors c'est quoi ça? Oh. Ok, encore une armée à affronter là. Est-ce que je devrais pas virer mon infanterie là justement? C'est un coup du pognon les mercos, hein, quand même. Ah non mais bon, je suis désolé, le jeu à un moment faudrait qu'il arrête ses conneries, qu'il soit cohérent quoi. Oh, des guerriers bédouins, ça peut avoir son utilité ça. En vrai, on pourrait tellement les mettre mal. Bon, déjà, on va dégager cette armée de rebelles. Ouais, c'est ça l'idée, Andrew. Mais bon, après, j'espère qu'ils vont pas profiter que je suis en train de déglinguer le Séleucide pour attaquer à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Mais allez, on est capable, hein. Bon, on va y garder nos bédouins. Alors, moi, j'ai quelques unités par-ci, par-là. J'ai envoyé un groupe de deux par-là. Attention, on va essayer de diviser un petit peu leur armée. Bah vas-y, hop, let's go. Attends, qui c'est qui se fait déglinguer là? D'où j'ai perdu autant de tireurs? C'est des archers montés, ok. Maintenant, ma technique favorite là. Donc là, ils reviendront pas. Allez, go, défoncez-le. Évidemment, je perds une unité d'archer montée parce qu'elle a envie. Allez, go. Donc en vrai, ça te donne déjà un peu de temps avec le rouleau égyptien, rush ses conditions du tard. Ouais, c'est ça. Donc moi, je vais en profiter et surtout bâtir mon économie. Grâce à l'argent arménien. Bon, on va déjà faire une autre tour ici, bah je peux même pas. Au moins ça le mérite d'être clair. Alors, en vrai, j'ai tellement envie de poser le siège avec une pauvre unité là. Défoncer cette armée. Là-bas, j'aurais pas l'armée, ils sont trop nombreux. Il
Alors, il y a encore une unité de rebelles, mais c'est pas possible. Hein. Bon, par contre, là, les 25. Hop, parfait. Donc là, on va rusher ces rebelles pour récupérer la vision de la tour. Alors, voilà le début de la campagne, je commence à comprendre sa difficulté là. Beaucoup de rébellions, tout ça, tout ça. Elle me dit pas que je vais perdre contre des archers là, je vais hurler au scandale. Hein. Allez, allez-y mes gardes du corps, montrez à ces archers ce que vous valez. Et en plus vous courez comme des lâches, ah bah bravo. Allez, faites le rouleau compresseur, merci. La victoire est douce, surtout quand elle est aussi indiscutable. Oui, oui, et on connaît l'IA. Hein. On connaît l'IA, Tom Tom. Hein. Bien. J'ai pas envie d'avoir une nouvelle armée d'Arméniens sur les bras. Alors je vais tracer. Fais ça. Ah oui. Pressez-vous, notre patience a des limites. T'es sûr? Ils sont combien là-dedans? Et là on pourrait faire une petite embuscade, là ça serait drôle. Oh, il m'a localisé, c'est curieux ça. On la joue celle-là, on l'attend celle-là. Ouais, il faut la tenter. Hein. On a deux généraux, il en a qu'un. Il a beaucoup de lanciers par contre. Il a très peu d'archers. Il a trois archers montés. Nous, on a plus d'archers montés que lui. On va la jouer. Si on la gagne, on peut pénétrer dans le royaume d'Arminie. Je pense que c'est toute la majeure partie de l'armée en tout cas. Ah mais ça me rigole pas, Andrew, ça m'est déjà arrivé ça, dans d'autres campagnes, c'est une honte, c'est horrible. Alors où êtes-vous les Arméniens? On va essayer de jouer les Scaramouches, hein. Hop, ils ont quoi là-bas? Archer monté, archer monté. Allez. Allez, venez, venez, c'est bien. Et nous, on peut tirer dans le dos de ces archers montés. Alors, j'ai envie de faire une grosse charge là. Allez, go. Ouf. Sortez de là, sortez de là. Oh, on peut tenter d'aller chercher leur général là. Allez, reculez, archer, archer, montez, reculez, c'est bien. Oh, bien joué, on a gagné le truc ici. J'ai tenté de choper leur général et de la battre. Hein. Si on gagne là, on se met bien. Bon, c'est pas mal, on est en train de revenir petit à petit sur le nombre de soldats là. On va essayer de disperser cette unité. J'ai envie de tenter une grosse charge sur les cataphractes. Abattez les cataphractes, comme ça on sera sûr. Allez, go. Allez, comme ça, on va le choper. Ouais, bien. Et là, en plus, on chope les cataphractes de côté. C'est magnifique. Alors.
Abattez les hypothèses et c'est gagné. C'est bien, c'est bien. Allez, ils sont plus que 4 les mecs, déconnez pas. 3. Super. Quel idiot, ce général ennemi. Ça y est. Il s'est sacrifié plutôt que d'affronter la défaite à la tête de ses troupes. Archer à cheval. Général. Alors, on va s'occuper de ces archers, on va s'occuper de ces peltastes. Si on dégage tous ces tireurs, là, on est bien. Regardez ça. C'est le bordel, hein, je sais très bien. Bon là c'est gagné. Hein. On va rapporter ces deux archers en renfort. Mais là on va massacrer toute leur infanterie pour pas que aucun n'en réchappe sur tout ça. Toi tu vas venir là. Abattez-les. Voilà. La victoire est douce, surtout quand elle est aussi indiscutable. On les a mis en déroute là. Là, ça va leur faire très mal. Ils ont perdu un de leurs généraux. Là, à mon avis, ils doivent pas se sentir bien, les Arméniens, si vous voulez mon avis. J'ai tout de suite posé le siège. Oh, on a complètement anéanti leur armée. Parfait, on va s'emparer de la capitale arménienne. Alors, on va voir un petit peu l'échelle de l'Arménie, là. Ouais, l'Arménie, elle a pris un sacré coup au niveau militaire. Donc on est quatrième niveau des territoires, donc on progresse. Oh, je peux recruter encore des mercenaires, ça serait que c'est... Vas-y. Plus notre armée sera... Oh, elle est consistante, l'armée, là. On va reculer sagement. Ok, ils veulent me tomber dessus. Par contre, c'est dangereux, là, ce qu'ils font. Hein. Je m'explique. Regardez-moi ça. Les pégus, déjà, on peut les dégager facilement corps à corps. Les deux seules unités, entre guillemets, pénibles, ça va être ça, le milicien monté, et le peltast. Et le reste, c'est gérable. Je sais que je peux le faire, cette bataille. Si je me je vais pas rapidement leur capitaine, le moral de la milice hoplite, ça va vite tomber. Alors, cette unité d'archer, je vais la laisser avec mon général en réserve. Et là, j'ai que de la cavalerie de mêlée. Hein. Alors, on va les provoquer directement. Hein. Les paysans, on s'en fout. Les deux priorités, c'est le capitaine. Pour la théorie, mais pour la pratique, Kaiser, c'est autre chose. Effectivement, moi, je suis d'accord. Mais regardez, en plus, il bouge, c'est con. Et j'ai encore un archer de montée de réserve, hein, je rappelle. Bon, ils ont déjà perdu une quinzaine d'hommes, hein. J'avoue que c'est un tout de... Tout un art de jouer des fractures chez cheval. Ouais, c'est vrai. Où sont mes peltas? Ils sont leurs peltas. Ils sont là. Regardez ça. Ils ont déjà isolé 200 paysans. Bon, ils ne devraient pas tirer dessus. Hein. Et moi, je vais faire un grand tour. Et on va tenter le coup. C'est quoi ça? Alors toi, tu vas pas tirer. Tu
es marrant, Case, heureusement que... Bah, en plus, je la fais bouger surtout. Une bonne charge là. Hop, Edin. Et en plus, là, il y a Pelta juste derrière. Oh, bah, ils reviendront pas non plus, tu me diras. Allez, culbute. On recule. On a complètement disloqué leur armée. Bon, attention, les Bédouins, là, à un moment, faudrait peut-être pas abuser non plus. Archer, vous reculez. Contre-charge ici. Abattez-moi ce piquet. En plus, là, on est dans la pente, donc on est pas mal, hein. C'est quoi, vous allez me chercher ces peltas? Je veux pas qu'ils se reforment non plus. Et là, il nous reste... Eh, vas-y, je cherchais leurs miliciens avec mes cavaleries de mêlée. Oh là là, ils tournent le dos à mes archers montés. Mais quel bonheur ici. Coucou. Par contre, là, on va reculer nos cavaliers, hein. Oh, tout juste. Alors, oh, le général limite en déroute. Parfait. Voilà, le moral va en prendre un coup, là. Alors, vous allez me chercher là-bas. Vous allez me changer de cible. Allez, on fait tourner les serviettes. Non, je déconne. Non, non, vous tirez là, tirez là. Merci. C'est quoi qui arrive? Des pégus, ouais. Il me reste 6 archers à cheval, je vais les embarquer aussi dans le combat. C'est quoi ça? Un groupe de pégus. J'ai tenté d'aller le dégommer, ces groupes de pégus là. Vous, vous allez m'occuper de cette milice. Archer. Allez, hop, encore des paysans de moins. Par contre, je doute quand je joue d'ouverture, je doute quand très difficile il y a face ça. Là, je suis en difficile de base. Alors, on va les harceler. Allez, une petite salve de javelot dans le dos, s'il vous plaît, un moment. Bon, bah, s'ils crèvent comme ça, ça m'arrange. Parfait, une autre unité vient de tomber. Je vais chercher les paysans là-bas. Oh, ça meurt bien, là, c'est bien. La phalange, elle est en train de se désorganiser. Je vais redonner mon unité d'arrêter de tirer. Il y a deux phalanges à aller chercher, les gars. Allez, maintenant par là. On a encore pas mal de munitions, hein, c'est pas mal. Allez, les chameliers, allez me chercher ça, s'il vous plaît. Je vais utiliser ma carine mêlée pour refaire en sorte que la phalange se retourne. Voilà, par contre, c'est tel gâché munitions. Hein. Oh là là, on a eu chaud à nos fesses ici. Alors, la milice au pide, ça meurt bien ou ça meurt bien? On va sortir, il faut bouger. J'essaie d'envoyer une unité de cavalerie pour menacer les arrières. Par contre, là, les archers, faut bouger, s'il vous plaît. Pas faire des gogoles, merci. Bon, par contre, là... Hop. Ah, j'ai 3 unités concentrées, là. C'est peut-être pas le bon play, effectivement. Allez, c'est bien. Tournez le dos, mes tireurs. Archer à cheval.
Hop, il y a une unité qui a craqué là-bas. Ils sont défaillants, hein. C'est bien. Encore une unité qui craque ici. Par là, toi tu tires là-dessus. Un petit feu croisé sur cette milice. Allez, abattez cette phalange, elle est quasiment morte. Allez. Non. Elle a encore fait de la dème ici, bravo. Vous reculez aussi. Oh, bon, quoi que la phalange, là, elle est pas prête de se reformer. On va juste arroser. Abattez l'autre phalange. Vous allez avancer par là. C'est bien, ça se désagrège. Leur armée, elle tiendra pas lieu très longtemps. C'est bien quand l'IA fait des erreurs, tu peux. Par contre, là, le TK, bon, à un moment. Allez, massacrez-les tous. Oh, génial. Alors. Allez, go. Massacrez-les tous. Que pas un n'en réchappe. Voilà. Bon, on a perdu 54 hommes. On en avait 1568 en face et ils sont repartis à 19. Ça va, tout va bien. Alors, Momon, tu disais que j'avais peu de chance. Et c'est mon modérateur. Hein. Ces jours, je vais le mettre au fer. Bien. Posons le siège en Assyrie sur Atra. Notre espion n'a pas réussi à ouvrir les portes. Est-ce que j'embarque j'embarquais lui. Donc, on a posé le siège à Atra. Et lui, je vais l'envoyer pour voir ce qui se passe du côté de... De Kotaïs. Et je pense que je vais juste... Je vais prendre la ville. Tartaxa, je vais m'arrêter là après. Et comme ça, on pourra entamer la prochaine fois sur le siège de d'Atra. Je prends toujours une unité d'infanterie mercenaire parce qu'en fait, avec les parcs, mon but, ça va être de jouer sur la vitesse, quoi. Avec la cavalerie. Une fois qu'on aura Antioche, on se mettra bien, on essaiera de négocier un traité avec les Égyptiens. Et nous, on remontera sur la site et tout. Peut-être que je continuerai de mon côté en off pour détruire les sites. Je sais qu'avec les Germains, il faut les détruire aussi, mais bon, on verra. Tiens, d'ailleurs, ils en sont où les sites? Par curiosité, juste par curiosité avant de faire la dernière bataille. Alors, les sites. Alors, trésorerie modeste, bon. Ok. Allez. C'est un autre héritier arménien qui va passer au fil de l'épée. Ce sera la dernière bataille pour ce soir. Ah, alors pour Barbar Invasion, l'invasion c'est prévu. Je vais essayer de faire toutes les petites campagnes avant sur Hermastern. Alexandre, pourquoi pas. Même si j'aimerais essayer de la réussir en TDTD, c'est parce qu'il y a un succès à la clé, mais bon, ça va être chaud. J'ai déjà fait des succès de mon côté avec eux. Voilà, compagnie de jeunes femmes, tout ça. Allez, tu vas. J'ai envoyé mes unités d'archers montées pour faire le boulot.
Alors je vais me mettre là pour éviter le tir de cette tour, je sais pas sa portée, mais on va être prudent. Vos soldats ont porté le bélier jusqu'aux portes. Je rappelle qu'on a deux généraux. Ah oui, tu n'as pas peur de perdre du sang. Non. Non, non, j'ai pas peur, Andrew. Même si je dis ça maintenant, mais quand ça va être la campagne, on va me dire que ça va être autre chose. Alors là, on va déjà commencer à tirer sur l'ennemi. Essayer de les narguer. Il y a déjà un cavalier qui tombe. Hein. Deux. Je peux m'envoyer mercenaires faire le boulot. Hein. Ils sont encore combien là? 36, ouais. Il a plus de sang pour pleurer. Ça dépend pourquoi, Momon. Oh, il y a un général qui se pointe. Vas-y, ramène-toi. Allez, go. Allez, let's go. On va les pousser, on va les déglinguer. Parfait. Hop, bisous. On épargne des hommes. Faut que les soldats aient du cancer pour le sang aussi, ouais, c'est vrai. Ça y est. Artax Arta est tombé. Je suis désolé pour la communauté, mais vous me laissez pas le choix. Bon, déjà, ces deux-là, on va les dégager. Ils me coûtaient pas mal de pognon. On va reformer tous nos archers montés. On en a combien là? 4. 4 et 4, ça fait 8. On va faire aussi quelques fondeurs pour garder le coin. On a mis à sac l'Arménie, c'est parfait. Et hop. Voilà, bah franchement, là, on a fait plutôt un bon démarrage de cette campagne, même si ça n'a pas été évident. Bah, bonne nuit, Tom Tom, et merci d'être passé. Moi, je vais m'arrêter là aussi. On a fait un début plutôt positif, on a fait des guerres successives contre les rebelles, les Séleucides qu'on a récupérés, Séleucides ultimes et qu'on a renommés en Babylone, parce qu'on est en Babylonie quand même. On est en train de pousser contre Atra en Assyrie. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On a également tapé l'un de nos ennemis héréditaires aussi, qui est l'Arménie. Parce qu'à un moment, on va devoir aller faire un petit tour chez eux, pour récupérer la dernière ville de Kotaïs, et hop. Pourquoi pas essayer de faire, alors soit taper le pont ou des traités avec eux, on verra selon la situation. Et après, là, je pense qu'on pourra aussi pousser contre les sites et essayer de les rayer de la carte complètement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce premier épisode de la campagne avec les parts ou la partie, comme vous préférez. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures, les amis. Je vous fais des bisous, ciao ciao.